Bienvenue de Pernilifon, va vous faire découvrir la fête du patrimoine. Yannick. Évidemment, cette course a été magnifique. C'est digne d'un Grand Prix de Perne. Honneur à nos champions. Je veux dire, le Tour de France, ils peuvent s'accrocher. Hein. Alors, buvons ensemble à ma ville natale et que Saint-Pierre attende. À Perne, on se régale. Alors la soupe des potres, c'est d'abord un bol en céramique très attendu par les Pernois puisque tous les 4 ans il est différent et là ça fait 8 ans qu'ils n'en ont pas eu. On adore mais Pernes-les-Fontaines est un village qui est très animé et il y a énormément de choses à faire toute l'année. La première fois que je viens, c'est vrai que c'est surprenant du monde et de l'ambiance qu'il y a. Voilà. Et c'est à ne pas manquer. Voilà. On regrette de pas revenir dans ce temps-là. C'est comme les histoires d'héritage. Ça ne se dit pas. De toute façon, tout le monde le sait ce qu'elle a fait, sa femme. Ah non, moi je ne sais pas, qu'est-ce qu'elle a fait. Allez, on tape le mur. 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 Allez, on tape le mur.